Mardi 26 mars 2019, bienvenue à cette édition au sommet de l'actualité de ce mardi, les échos de la construction de l'aéroport international de Dansé. Où en est-on avec les travaux, éléments de réponse dans cette édition? Justice et sécurité, c'est le message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'endroit des survivants du massacre des Peula qui a eu lieu samedi dernier. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a reçu ce matin une délégation française représentant le groupe ADI, le consortium français en charge de la construction de l'aéroport international de Dansé. Où en est-on avec ce projet? Les réponses dans cet élément signé Jonas Tondé et Odette Zangena. D'aucuns se posent la question à savoir où en est le projet de construction de l'aéroport de Dansé. L'ambassadeur français et le représentant du consortium français, le groupe ADI, ont été reçus ce matin par le chef du gouvernement pour une mise au point du dit dossier. Alors nous en sommes actuellement à la définition des caractéristiques techniques du futur terminal. Une présentation sera faite dans le courant du mois d'avril aux autorités burkinabées. Là commencera un dialogue entre les autorités burkinabées et le consortium, l'objectif étant de parvenir à un accord sur les spécifications techniques ou la description technique avant l'été, hein, ou à l'été, disons. Hein. Et puis après, s'engageront des discussions sur les modalités de financement, l'idée étant d'essayer de boucler le projet d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est d'avoir un accord global d'ici la fin de l'année. La délégation française s'est dit confiante suite à cette entrevue avec le Premier ministre. Des échéances importantes sont devant nous, au mois d'avril, probablement, nous l'espérons, au mois de juillet, et pour un bouclage définitif du projet avant la fin de l'année. Et je sors de cet entretien avec... De cette audience du Premier ministre, confiant, tous les signaux sont au vert et donc dans le meilleur esprit de confiance et d'intérêt partagé, les autorités burkinabées et le consortium français travaillent à la finalisation du projet et nous espérons que les travaux pourront commencer le plus rapidement possible. Xavier Lapierre des Cabanes et son compatriote se sont voulus très clairs. Aucun retard n'a été enregistré au jour d'aujourd'hui. Les travaux suivent normalement son cours. À noter que la construction des infrastructures pour permettre le transfert des activités aéronautiques sur la plateforme de Dansé est prévue pour être achevée en 2021. Le coût des travaux est estimé à 368 milliards de francs CFA. Adama Ibia, conseiller spécial du Premier ministre et directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport international de Dansé, nous donne les détails sur les travaux dans cet élément de Jonas Tondé et Odette Zangena. L'aéroport de Dansé est un grand projet et complexe, avec montage et un financement en PPP. Et les premières années, nous sommes occupés du déplacement des populations affectées par le projet. Nous avons reconstruit 9 sites pour reloger toutes les populations, faire les dédommagements nécessaires. Ce financement du budget national, c'est environ 13 milliards de francs CFA que l'État a injecté dans ce volet qui est essentiel, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de nos populations. C'est pour cela que cette opération est terminée en 2016. Le deuxième volet maintenant, qui consiste à la réalisation des travaux proprement dits sur la plateforme aéroportière, ont démarré en 2018. Vous verrez actuellement sur le site de l'aéroport de Dansé que nous avons entrepris des travaux de voirie pour environ 40 milliards de francs CFA. Vous verrez dans la presse que nous avons lancé des appels d'offres importants pour l'ensemble des bâtiments à construire sur la plateforme aéroportière. Nous avons lancé également l'appel d'offres pour choisir l'entreprise qui va réaliser la piste, la tour de contrôle. Et s'agissant de la piste, l'appel d'offres sera lancé le 29 mars 2019. C'est dire que le projet est en marche, nous sommes dans la phase active. Ça, c'est le premier volet.
Le deuxième volet, c'est ce dont le groupement Meridiam Aéroport de Dansin vous a parlé. C'est le volet concession. C'est-à-dire, ce spécialiste va gérer l'aéroport de Ouagadougou-Dansin pendant 30 ans. Mais il participe au financement. Il va financer la partie aérogare. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes en négociation, comme ils l'ont dit. C'est une réunion d'étape. Et l'objectif est que d'ici la fin de l'année, nous puissions nous entendre pour signer le contrat. Et ils vont financer également ce volet. Voilà l'état d'avancement du projet que je peux indiquer. Mais il faut savoir que c'est des projets importants, un projet important, et c'est des travaux qui mettent du temps. Ça veut dire que nous venons de démarrer en 2019, et le minimum, c'est au moins 3 ans de travaux. Et nous nous attelons à ce que ces échéances-là soient respectés. Bien entendu, il y aura toujours des problèmes, mais notre rôle aussi, c'est de contribuer à résoudre ces problèmes, de sorte à minimiser le délai qui nous reste. Collaboration et synergie d'action avec le gouvernement, c'est le message de la délégation du Conseil économique et social au Premier ministre Joseph-Marie Dabiré ce matin même à la primature. Il a besoin qu'on le soutienne, qu'on l'encourage dans le travail qu'il fait. Nous sommes venus aussi dire toute notre disponibilité à accompagner tout ce que le gouvernement fait et à apporter notre concours dans les différentes décisions qui sont prises pour le bien-être des populations de notre pays. Nous sommes venus simplement donc écouter aussi ses conseils en ce qui concerne le Conseil économique et social, quel genre de conseils il peut nous donner pour que nous puissions avoir un travail pertinent, un travail qui va rentrer en droite ligne avec les politiques du pays et qui permettront d'atteindre les objectifs qui sont fixés pour l'ensemble de notre pays. Voilà grosso modo ce pourquoi nous sommes venus et ce que nous avons fait. Et évidemment, le Premier ministre nous a donné de très bons conseils visant à renforcer la relation entre le Conseil économique et le gouvernement, et ce qui permettra donc de travailler ensemble sur des avis, sur des recommandations qui rentrent en droite ligne avec les besoins essentiels qui sont et les problématiques aussi que le gouvernement a en ce moment. Pardon? Qu'est-ce que vous avez pensé au Premier ministre pour gérer ces moments? Nous n'avons pas donné les conseils présentement. Nous avons écouté quels sont les problèmes que nous devions réfléchir pour arriver à des recommandations ou bien à des avis qui vont permettre de gérer cette période de crise. Je ne sais pas si vous avez compris ma réponse. C'est-à-dire que nous n'avons pas apporté une réponse toute faite au gouvernement, mais nous avons écouté pour pouvoir mieux travailler dans le sens de la gestion de la crise que nous vivons au Burkina Faso. Je vous l'annonçais donc en titre, au Mali, 160 Peuls ont été tués samedi dernier dans des affrontements entre Peuls et Dogon. Justice donc et sécurité, c'est ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a apporté comme message aux survivants de ce massacre. Justice et sécurité, c'est ce que le président du Mali a promis aux habitants Peuls qui ont survécu au massacre commis dans le village d'Ogossagou. Après avoir envoyé une délégation gouvernementale et de l'aide alimentaire, Ibrahim Boubacar Keïta s'est lui-même rendu dans le village dévasté où 160 habitants, hommes, femmes, enfants, ont été tués samedi. Un bilan qui devrait encore s'alourdir selon les autorités. Juste après la tuerie, le président Keïta a limogé ses chefs d'état-major des armées de l'air et de terre et annoncé la dissolution de la milice Dogon accusée du massacre. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Le président malien s'est entretenu avec la communauté Peul et recueilli devant les fosses communes creusées pour les victimes.
Trois jours après la tuerie, la désolation règne à Ogossagou entre les maisons calcinées et les cadavres d'animaux qui jonchent encore le sol. Un survivant raconte que les assaillants en tenue de chasseurs d'Ogon ont même tué des femmes enceintes et des bébés samedi. Des images insoutenables ont été filmées. Le président Keïta s'est aussi rendu dans un hôpital où une trentaine de personnes sont soignées pour des brûlures et des coups de machette. Le village d'Ogossagou, dans la zone de Bankass près du Burkina Faso, est donc la dernière victime de la spirale attaque-riposte entre les milices Peul et Dogon, alors que le centre du Mali reste un terrain d'action privilégié pour les groupes terroristes. Et puis en Côte d'Ivoire, la grande partie des politiques n'a pas encore désigné des candidats pour les prochaines échéances politiques. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par exemple, désignera son candidat à l'issue d'une convention prochaine du parti. Les grands partis politiques ivoiriens n'ont pas encore désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fera lors d'une convention en 2019. Konan Kwadjo-Bertin Dikakabé, ancien candidat indépendant en 2015, veut être candidat du PDCI, dont le président Henri Konan Bédié n'écarte pas la possibilité de se présenter. Certains militants, eux, souhaitent la candidature de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il a été président du conseil régional. Sur le plan création d'emplois, avec la CIFCA qui emploie aujourd'hui près de 30 000 Ivoiriens, nous estimons que l'homme est outillé pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Du côté du RHDP, Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, on attend la décision du chef de l'État Alassane Ouattara. Les militants sont prêts à le suivre s'il brigue un troisième mandat ou s'il choisit quelqu'un d'autre. Nous sommes des militants organisés. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous partons. Pour prendre le chemin du départ, nous avons besoin de savoir où se situe l'Est. Et la boussole qui nous donne cette direction, c'est bel et bien le fils de Adjana Bintou Cissé, Alassane Dramane Ouattara. Au Front populaire ivoirien, le président Pascal Affingessan annonce qu'il sera candidat si l'ex-président Laurent Gbagbo est empêché. Enfin, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est encouragé par ses partisans à être candidat à l'élection présidentielle de 2020 qui pourrait aboutir à une répétition de l'élection de 2010. Encore politique dans cette édition, en Algérie, les manifestations se multiplient contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie est électrisée par des manifestations massives ces dernières semaines. Manifestations contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Les journaux du monde entier sont unanimes. La Fronde populaire algérienne s'est démarquée par son pacifisme et son civisme, mais surtout par son humour. En effet, la satire des banderoles réalisées par les jeunes Algériens ont captivé l'attention et même suscité des vocations chez certains. Exactement, c'est une manière pacifique, on s'exprime par rapport avec ces affiches. Donc on prend des pancartes avec les moyens de bord et ça coûte pas cher aussi. Donc on se prépare. Ces manifestations ont notamment révélé l'intérêt des jeunes Algériens pour la politique et leur volonté d'être impliqués dans l'histoire de leur pays. Au siège de Youth Action Rally, une association nationale de jeunesse fondée en 1992, un groupe de jeunes manifestants a pris l'habitude de s'y réunir pour préparer les banderoles à utiliser lors des manifestations. C'était le cas vendredi 22 mars. Nous préparons ces banderoles pour dire au régime, avec toutes les idées que nous avons, qu'il est temps qu'ils partent. Notre jeunesse en a marre de cette vie. Ils avaient l'habitude de dire que la jeunesse algérienne ne s'intéressait pas à la politique. Mais depuis le 22 février, la jeunesse a prouvé que c'était faux. Chacun de nous s'exprime à sa manière, mais le plus important est que le régime tombe. Nous espérons être libres, c'est une vraie liberté. Les banderoles portant souvent des caricatures politiques, des slogans spirituels et des revendications civiles sont largement utilisées au cours des manifestations hebdomadaires. Chaque semaine, un nouvel ensemble de bannières est créé pour s'adapter aux événements changeants du pays. C'était le cas pour le report des élections ou encore la nomination du nouveau Premier ministre Noureddine Bédoui. Et puis plus de 1500 personnalités du monde des affaires, du monde politique et des partenaires de développement prennent part en ce moment même à Kigali, au Rwanda,
un forum de la libre échange continentale, rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique. C'est sous cette thématique que se tient cette rencontre. Ils sont plus de 1500 personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des partenaires de développement rassemblés à Kigali pour l'Africa CEO Forum qui s'est ouvert ce 25 mars 2019. Pendant deux jours, ces experts vont discuter du rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique, laquelle ne serait pas réalisable sans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, selon le président rwandais Paul Kagame. One year ago, in this very room, il y a un an, 44 pays ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres l'ont fait depuis. De manière tout aussi importante, le protocole sur la libre circulation des personnes a été également adopté. La zone de libre-échange continentale est sur le point d'entrer en vigueur. Il ne nous reste qu'une seule ratification. Cependant, comme nous le savons, c'est là que commence le vrai travail. Lors de ce forum, une trentaine d'entreprises présenteront des projets d'investissement dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars dans les secteurs de croissance prometteurs comme la technologie de l'information, l'agroalimentaire et l'énergie. From the start, the Africa CEO Forum... Depuis que nous avons lancé ce forum, nous avons connecté plus de 5000 dirigeants d'entreprises à travers le continent depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes ici avec une plus grande ambition, celle de donner aux acteurs du secteur privé les moyens de devenir de vrais ambassadeurs de l'intégration économique africaine et faire en sorte que l'accord de la zone de libre-échange continentale devienne une réalité. Quelques chefs d'État prennent part à ce forum, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de sessions et de panels de discussion sont prévus sous différents thèmes, entre autres le rôle de la femme dans les prises de décision sur le continent. Nous parlons une fois de plus de rencontres dans cette édition à l'issue de la rencontre entre les présidents français et chinois ainsi que la chancelière allemande. Un test prônant un nouveau multilatéralisme a été signé, un test qui va à l'encontre des accords avec les États-Unis. Je vais couper. Déclaration consensuelle après la rencontre franco-germano-chinoise. Xi Jinping était reçu à l'Elysée en compagnie d'Angela Merkel. À l'issue de leur rencontre, ils ont signé un texte prônant un nouveau multilatéralisme, soit une direction à sens inverse de celle actuelle des États-Unis. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Était aussi invité à ce sommet inédit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Plus pragmatique, il attend plus de donnant-donnant dans les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'en l'est à l'heure où nous sommes, parce qu'il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouvent en Europe. Et comme souvent à l'occasion d'une visite d'un dirigeant chinois en France, une manifestation hostile au régime communiste a eu lieu à Paris sur le parvis du Trocadéro. Des militants pro-Tibet notamment ont protesté contre les honneurs qui sont faits à celui qu'ils considèrent comme un tortionnaire. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi, nous vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Victoria. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.